Chambre 13. Pauvre chambre 13. La hôtesse est toujours la dernière à être réservée. Elle accueille que des couples pressés, des représentants de commerce dont on n'a pas vu ailleurs, des fugueurs, des marins. Elle a trouvé, hein ? Ouais, mais il y avait quoi ? Pas terrible cette chambre. Hein. On change ? Pour le temps qu'on va y rester. On sait pas combien de temps on va rester. Si, on sait. Hein, la vie réserve parfois des surprises. Ah, à qui le dis-tu ? Je sais même pas où m'asseoir. Ah, sur le lit. Non, dès qu'on s'assoit sur un lit, une minute après, on est couché. Moi, j'ai pas envie d'être couché, j'ai envie d'être assise. Bah, il y a la chaise. Je m'inspire pas confiance. Regarde, je l'essaye. Ça tient. Pas très confortable, mais ça tient. Oh, ça peut être pratique, hein. J'ai déjà connu ça une fois. En Croatie, à Vodice. C'est où, ça? En Croatie. On avait un lit, une vraie fanfare. Tu es resté longtemps ? Un mois. Obligé de faire l'amour par terre. C'était avec Vanessa ? Ouais. Tu imagines Vanessa obligée de... On ne vient plus me parler de la Croatie. Tu bailles ? Oui. Tu veux rentrer ? Non, mais ça me barbe. Bon, puisqu'on est là, faisons ce qu'on a à faire, après on la laissera. T'es pas forcé, hein. T'as passé la soirée, bien contraire. J'ai pas dit exactement ça. J'aurais mal compris. Non, c'est moi qui me suis mal exprimé. On fait pas, là. Ça se pose pas en ces termes. Bah, ça m'avait pas dit que t'es tordu à ce point. Bah, écoute, laisse Vanessa où elle est. Si t'as pas envie, c'est pas la peine. Toi. Oh ouais. Ah, tu sais bien que j'ai toujours eu un faible pour ton corps de rêve. J'ai un avantage sur moi. Ouais. Ouais, je suis pas terrible. Il y a mieux. Allez, fais pas cette tête. L'intelligence, c'est le principal. Vanessa, elle ne me trouve même pas intelligent. Normal, elle est stupide. Tu crois? Mais comme les cocus, toujours les derniers au courant. Je te signale que je suis cocu aussi. Bon, puis Vanessa, elle te voit tous les jours. T'es peut-être pas intelligent tous les jours. Je suis intelligent tous les jours. Bon, écoute, toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je me déshabille et je me mets au lit. Je suis crevé. Très érotique. Bah, tu restes là à me regarder de travers, à me dire que je suis pas terrible. Tu m'as un petit peu coupé dans mon élan. Tu comptes passer la nuit là ? Pourquoi pas ? Sordide. Tout à l'heure, je t'ai proposé de changer de chambre et tu n'as pas voulu. J'ai eu un mal de chien à rentrer dans cet hôtel. C'est pas pour changer de chambre 5 minutes après. Hein. Ah mon Dieu, ce que je suis malheureuse. Tu pourrais trouver un autre moment de chelou, j'allais enlever mon pantalon pour dire une chose pareille. Ah non, mais non, t'enlèves pas ton pantalon. Ah mais c'est dégoûtant, hein. Je suis sûre qu'on entend tout d'une chambre à l'autre. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Pourquoi? J'en ai marre. Tu
décourager. Pas si vite que ça. Reste. Pourquoi? Reste. Je commence à avoir envie. À force de voir te rhabiller, te déshabiller. C'est ça, fous-toi de moi. Il faut me comprendre aussi. À 7h, tu viens m'annoncer que mon mari me trompe avec ta petite amie. À 9h, tu me fais comprendre que la seule façon que nous avons de nous venger, c'est de coucher ensemble. À minuit, tu me traînes dans un hôtel low cost. Alors je me dirige tranquillement vers ma voiture. Et 3 minutes après, tu déshabilles sous mon nez. Oh, sous ton nez, t'exagères quand même. Quand même pas des étrangers l'un pour l'autre. Je te rappelle que j'étais le témoin de ton mari à votre mariage. Ça ne te gêne pas? Bon, ça l'a gêné, lui. Il n'était pas tout témoin de ton mariage. J'étais le sien aussi, hein. C'est du pareil au même. Me prendre Vanessa. Ma petite Vanessa que j'ai portée sur les fonds baptismaux du showbiz. Me la prendre, alors j'ai rien d'autre. En plus, elle voulait m'épouser. Maintenant, elle ne veut plus. Non. Et non seulement elle veut plus, mais en plus, elle me fait cocu avec l'un de mes meilleurs amis. Putain, les femmes. T'énerve pas. T'as raison, c'était de la folie de venir te voir, de tout te raconter, de te proposer ça. Tu peux être un peu fou. Un peu fou, oui, comme tous les artistes. Moi, un artiste? Laisse-moi rire. Alain trouve que tu as beaucoup de talent. Ah ouais. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah, tu sais bien que j'aime pas la musique. Ne pas aimer la musique, mais comment tu fais? Je n'en écoute pas. Mais comment tu fais pour vivre? Je m'arrange. Alors Alain, il trouve que j'ai du talent. Ça arrive. Intéressant. Surtout qu'Alain, il s'y connaît, question musique. Par contre, c'est pas ce qu'il dit à Vanessa. Non, à Vanessa, il lui dit que j'ai eu du talent. Autrefois, quand elle n'était qu'une toute petite fille qui savait à peine marcher. Et qu'aujourd'hui, question de talent, des miettes. Je suis devenu le Chopin des aéroports. Le Brahms des grandes surfaces. Tu parles, tu imagines ce qui se passe dans la tête de Vanessa? Moi, jeune chanteuse pleine d'années, on me retrouvait avec un has-been. Elle craque. Et Alain, il n'a plus qu'à la ramasser à la petite cuillère. Oh, putain, les copains. Je ne peux pas croire qu'Alain se soit comporté avec autant de bassesse depuis toi. Mais ton mari, c'est pas de la merde dans un bas de soie. C'est du dégueulis dans un bas en nylon. Tu ne parles pas d'un monsieur sous ton. Sinon, je m'en vais. Eh ben, va-t'en. Je te demande juste de ne pas insulter Alain en ma présence. Qu'il est. Il a fait ce qu'il a fait, mais il reste mon mari. Je suis d'accord pour coucher avec toi, mais je suis pas d'accord pour que tu traites à l'homme de ce que tu viens de dire. Bah, déshabille-toi. Maintenant ? Tu te trompes pas qu'on a déjà beaucoup parlé ? Non, tu as raison. Passons à l'acte. Je te plais. Tu vas garder ta veste en laine. Oui, j'ai encore un petit peu froid, mais j'enlèverai tout à l'heure. Attention, moi aussi. C'est vrai qu'il n'est pas terrible, lui. En effet. Bon. On s'embrasse. C'est bien. Par contre, ta veste, elle nous gratte. Ah. Moi, elle ne me gratte pas. À moi, elle me gratte. Tu veux que je l'enlève? T'es encore froid? Oui, mais c'est...
c'est pas grave, je peux l'enlever. Ah non, garde-la, c'est encore froid. Bah, j'ai déjà une fois, je suis pas morte. Hein. Là n'est pas la question. Tu veux que j'enlève ou pas? Non, c'est bon, garde-la. Ça se passe comment, Alain et toi? Au lit. Au lit formidable. Tu sais, dans ce domaine, Alain est un as. Non, je ne sais pas. On a une grosse régalée en ce moment. Mais tu le fais exprès! Moi, je m'en dis de la place, mais c'est pas ta faute parce que le lit penche de ton côté! Et puis, si tu me sautes à lieu de causer, on n'aura pas ce genre de problème! Ah bah, t'as qu'à enlever ta veste avant! C'est sûr que tu vas me sauter, hein? Parce que si tu me fais me déshabiller pour rien. Mais c'est pas possible! Je savais que tu gagnerais l'allemand. Mais faut voir comment tu te comportes, j'ai jamais vu ça! Ça, une femme dans ton lit, c'est sûr, t'as pas dit encore souvent. On dirait un seul, tu te prends avec moi! Mais mets-toi à ma place! Ce rôle ne me donne pas mon goût. Mais pourquoi faire autant d'histoires? Si t'as pas envie de faire l'amour avec moi, tu me le dis et puis on arrête les frais. Quels frais? Quelles histoires? De quoi tu parles? Je me mets dans le même lit que toi. Avec une grosse veste en laine. Je t'ai proposé tout à l'heure de l'enlever, tu as refusé, souviens-toi. Oui, mais après j'étais d'accord. Ah, pour voilà, hein. Je comprends. Mais pas des salades, t'as pas ce mal tous les jours. J'ose même pas penser aux nuits qu'elle passe avec toi. Ouais, et ben elle se couche jamais avec une grosse veste en laine, si tu veux savoir. Et ben elle doit avoir super froid, certainement pas toi qui la réchauffe. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. On s'en va. Non, on s'en va pas. Pourquoi? Ce serait ridicule. Je comprends pas. On doit rester. C'est toi qui dis qu'on doit rester maintenant? On va pas se rhabiller et sortir. Ah si. On se met pas dans le lit d'un homme pour se relever 10 minutes après et rentrer chez soi sans avoir rien fait avec lui, c'est idiot. Ah ça dépend si on garde sa veste ou pas. La veste. Tu l'enlèves? Maintenant, dès que je vois des singes, j'ai l'impression d'être à la plage. Ah non, je l'ai connu à la plage. On jouait au volleyball et il m'a fait une très mauvaise passe. Alors je l'ai engueulé. Je crois que c'est ça qui lui a plu. Parce que des femmes, Alain, il en avait en pagaille, mais une qui lui criait dessus, il y en avait pas. Sauter sur l'occasion, tu penses. Je sais pas pourquoi il a cessé de m'aimer. J'ai dû crier trop fort. Il reviendra. Il est pas parti. Vanessa non plus, remarque. Il se passe peut-être strictement rien entre eux. J'ai des preuves, je t'ai dit, des SMS. Montrera. Oui, il lui dit qu'il l'aime, qu'il la veut. S'il la veut, c'est qu'il ne l'a pas. Bah pourquoi? Vanessa, moi aussi, je la veux, pourtant je l'ai. Je suis sûr qu'ils ont une liaison ensemble. Mais si tu ne crois pas... Bon, j'éteins la lumière. Dans le noir, c'est pas mal. Ouais, tu viens contre moi et puis on le fait. Oh, mais j'y arrive pas! Qu'est-ce qui se passe encore?